همادي لم تنبه يو بانو تراويح سيهيسا ريروها هرمي بسيريا هاتو الواسو دي هداهون ان كيلومتر نيهو وان روكو سالي يكاو يمسيري ودونغا تراويحا هي موديا كي أسيلي يو استيهي جيراني استيهي مدو نوازي استيهي من نيل مفيتي وروكا هم سيريني وحسي لعبداها ونولا من يزمه وتناريا أو وتنا بابا وتنا عزيري منو هاو تام بشامر. تراديشن يا هي إدينينو هولو كوموري خاصة وكا دراسة إكاو يوكا يا بولاسيري إكاو يوكو يشيا لوكروبي يوم سيهيري إكاو نيكو لدى مراغبة إوا هند هازينيني إوا فوم والجويا فوم أوكايا يزمو سبحانه وتعالى هاومو لدى مشاوومو ها زيونغو ذا تفاوتي abonge yode mana ikao ngelazimu wa usilamu udorai za haki za ho wanadamu ontipia hazi la sensibilite za hao ukaya ngabu wanadamu wenza mabadi ya nafsi ngabu wanadamu wenza waluanru wa duhazi ngabu wananyile wa titi kao ikiasia huishi ya ya wanadamu wa ontipia yoti sawa haina mru hahalele shishio ni namna lazimu ya ishiye ili zinarongozi mfahamu basi na ukazi zuru ya nafsi Eso utinkali kali inuwa haini wakati inuwa ma scientifique inuwa ziprove ukaya inuwa hamba pollution sonore ikawo yu sababisha mabade ya nafsi yu sababisha wajau mabade ya ziungo karna ujua leo usilamu kikudunga na ne science haukaya hae siyasi karna ujua hiranti haukaya uharumui yu risalimisha o yesu ya hatu uharumui yu risalimisha o yeziungo za hatu neze nafsi za hatu repashi ya vinyo redana uja karna ujua leo ri resiansi lingoni haukaya sauti ya hisaya depase 100 decibel ila kesi njema haruma ele shisho la mwanadamu kwa ya jwamba ukaya mnanyele mtiti kwa ya jwamba ukaya mru ulona mabade ya nafsi zirungo zinu hakikatan zindongo nyangu kabisa ikao imafundi watu mwanzoa zikomplike gazitambishao ya majirani namna ya ukaya uwenji wa haungu wanandishao amprive wa mbiba nuhatana siri lemewa shako subutu uzamba ili ya tijo takse wa ukaya emruoi kati haruma edini ya usilamu na mangali ya mbabi tansyo metri kao duna mwenisani obama Eka mwendo talabahi nga mjongu na ukaya kiasi ya wana damuhishia 40 decibel basi kaende hata iwasu ili decibel jana wala hakika ila yuhambu wa bru na hai ni bru sonor yona ze konsekansi negative haruma esuha ya wana damu pisku wana pa le meme sensibilite kognitive wana pa le meme force fizike wana pa le meme force mental tout le monde doit supporter c'est que Dieu l'a accordé comme capacité de pouvoir s'adapter avec la vie. Moi, je trouve cela une aberration même à l'islam. Ces gens-là ne rendent pas service à l'islam, puisqu'on est à la maison, on n'écoute pas le dars, on veut pas, on peut pas, on n'arrive pas à communiquer entre soi, on n'arrive même pas à écouter la radio, même si tu veux écouter le récit de notre lecteur du Coran, mais vous n'avez pas accès. En fait, on vous prive durant 5 heures de temps, durant le mois de Ramadan, à vivre au rythme des imams. Ça, c'est pas normal. Un jour, je me suis levé le matin, aller réveiller un imam pour lui demander les raisons pour lesquelles il monte le son jusqu'à 200 décibels. Et je l'ai trouvé à 7h30 du matin, il est en train de dormir. Voilà, je dis, voilà, c'est exactement les raisons pour lesquelles vous faites ça. Mais pensez à ceux qui se lèvent cette heure-ci pour aller au travail. Pensez aux enfants qui doivent aller à l'école. Ça, ça ne se fait pas, ça. Je pense que vous exagérez. Moi, je le dis en tant que musulman pratiquant qui connaît l'islam. Je ne dis pas parfaitement, mais qui connaît les bases. Moi, je vous assure que là, vous passez à côté de l'islam. Vous passez vraiment à côté de l'islam. L'islam ne vous autorise pas à faire ça. Wallahi, je vous jure. Et je mets un défi à quiconque qui pourrait dire le contraire à ce que je vous dise. Vous dérangez les gens.
Donc vous, hommes et femmes qui se prennent pour les plus pratiquants, qui comparent ces sons avec les sons des Touarabes, oui, mais tous, ils dérangent. Mais l'islam est fait pour apaiser. Vous ne devrez pas faire comme les délinquants. Au moins, vous faites une darsa où il y a une dizaine de personnes, même pas. Baissez le son. Mais je ne comprends pas pourquoi tous les voisins m'appellent pour me dire franchement, ça nous dérange, mais on ne sait pas quoi faire. On ne vit pas. Raison pour laquelle, d'ailleurs, vos beaux villas qui sont aux alentours, personne n'y pense même venir y louer, s'y loger. Donc l'islam ne doit pas constituer une entrave à la vie ordinaire, à la vie de tous les jours. On n'a pas les mêmes conditions physiques ni mentales. Il y en a ceux qui veulent se reposer durant la journée. Et nous qui souhaitons, par exemple, passer le fajr dans une autre mosquée, vous n'êtes pas obligé de nous réveiller à 4 heures du matin parce que vous le voulez bien. Sinon, vous nous réveillez, mais avec un son raisonnable. Mais franchement, là, je suis perdu. Je trouve cette intolérance vraiment très sévère à l'égard des musulmans. Personne ne dira qu'il va s'habituer à un son de plus de 140 décibels durant 5 heures de temps de journée. Mes chers amis, l'islam, religion de tolérance, d'amour, d'apaisement, de paix, de spiritualité, veillez à respecter les autres. Il se pourrait que ce que vous dites là, je le connais déjà. Il se pourrait que j'ai des enfants en bas âge qui n'en comprennent même pas ce que vous dites. Il y a des malades, il y a des cardiaques. Mes chers amis, wallahi, ce n'est pas l'islam. C'est pas l'islam. Islam yotawadu yu ibada yamru nimguha. Gabulungozi dizaufanya. Il irshine ri sulih shawlezi. Hokaya e kawja hundu harmamji wa kamil. Kabatsipa shio. Shausi la mumurende harma micro na spectacle. C'est scandaleux. Dini yomlu tiemana ranzoma shashini ya elewe zidhamir. Zaukamana damu wa kweli. Wa ujua izu ya lazimu yafanye. Wa utawa zi haramu, wa ujua zi halal. Mrengo wana walu mashashini mwafunde. Shemisi iri hurabiha. Imavazio ya hurabiha. Iko silamu kujuka huja hiso utiyo. Emi mnulonda ya niba nga mishu hindi. Ikatiki yona vavavabas. Ika hizo zambishi hawa nunga zijuwao. Kamkaradhi kwezi. Wassalamu alaikum.